Annoncé hier pour une visite de travail et d'amitié, le président de la République du Mali est effectivement au Burkina Faso. Le colonel Assimi Goïta est arrivé ce matin même à Ouagadougou. Son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré, est allé l'accueillir à sa descente d'avion. La précision dans ce reportage de Jean-Eudes Bayala et Sekou Zongo. Aéroport international de Ouagadougou, ce 25 juin 2024. Un dispositif hors du commun. Là, une ambiance des plus chaudes et les noms des chefs d'État maliens et burkinabés sont scandés. Aux abords du tapis d'honneur, des personnalités burkinabés et maliennes. À 10h08, un avion estampillé République du Mali caresse la piste d'atterrissage. Il finit par s'immobiliser et à son bord, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État malien. Il est accueilli par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le colonel Assimi Goïta est donc au Burkina, ainsi de l'excellence des relations entre le Burkina Faso et la République du Mali. Une excellence des relations traduite ici par les honneurs. Premier tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport et le cortège s'ébranle direction le palais présidentiel. Il est 10h40, le long du trajet, les populations souhaitent bonne arrivée à l'hôte du jour. Au palais présidentiel, les deux chefs d'État vont échanger sur les défis de la lutte contre le terrorisme et ceux liés au développement socio-économique et à la quête d'une souveraineté totale du Burkina Faso et de la République du Mali.